Eh bien salut tout le monde, c'est Momo, comment allez-vous? Moi je vais super bien, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de mon Let's Play sur Dead Space 2. Donc une découverte de la campagne de Dead Space 2 en votre compagnie, en la compagnie de personne d'autre. À part moi bien sûr. Donc on va se lancer dedans tout de suite, donc on va faire en normal. Parce que j'ai pas envie de faire trop gros. Alors, où sommes-nous? Terre, j'ai pas eu le temps de lire. Recherche Rolin, GJN. D'accord. Donc, bah écoutez, moi c'est une vraie vraie découverte parce que j'ai pas touché du tout à la campagne. Donc voilà, il est développé par Electronic Arts. Et donc, nous allons découvrir ensemble. Enfin, peut-être pas vous, mais moi je vais découvrir en tout cas la campagne. Ah. Bonjour. Isaac, tu m'entends? Oui, je t'entends. Réponds, Isaac. Oh, pardonne-moi. M'en veux pas, Isaac. C'est à cause du décalage. Non, non, je te rappelle. C'est bon. Et comment ça va? Bien. C'était vrai, Isaac. L'Ishimura est extraordinaire. J'ai beaucoup de chance de servir à bord. Ah ouais. Ah, profites-en. Il prévoit de le remplacer pour l'année prochaine. Isaac. Merci. De rien. Pourquoi? Pour m'avoir tant soutenu, je crois bien que sans toi, j'y serais jamais arrivé. Tu as tant fait pour moi. Rappelle-toi, nous nous sommes séparés 6 mois pour que tu vives ton rêve. Je crois qu'on va être hors de portée du relais. Ils ont pas bougé, mais c'est pas grave en fait. Ils disent qu'ils vont être hors de portée, mais depuis le début, ils bougent pas, donc c'est un peu bizarre. Vous êtes égaré un petit moment, monsieur Clark, n'est-ce pas? Je crois que vous me parliez de vos cauchemars récurrents à propos de votre petite amie. Elle s'appelait Nicole. Je ne voulais pas finir comme ça. Nicole. J'aurais tellement aimé toi, mon amour. Juste une fois. Nicole, je mon amour. Oui, moi aussi, je t'aime. Toujours aimé. Ah oui, ouais, c'est ça. Nicole Brennan. Officier médical en chef servant à bord d'un vaisseau brise-surface. L'Ishimura. L'USG Ishimura, oui. De la mission de forage secrète d'Aegis-7. Apparemment, les communications ont lâché juste après son arrivée. Et vous Ouh là étiez là. Avec l'équipe de secours. Vous vous êtes porté volontaire, c'est bien ça? Qu'avez-vous découvert à bord du vaisseau, Isaac? Ils l'ont trouvé. Trouvé quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans le vaisseau, Isaac? Le monolithe! Quel monolithe? Vous avez été en contact avec ce monolithe. Il vous a fait voir. Ouh là des là! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il m'a parlé! Il t'a dit, Isaac? Que vous a-t-il dit, Isaac? Isaac! Eh ben, on dirait que ça commence bien. Alors, où sommes-nous? Chuck Beaver. Ah bon, ça c'est les personnes qui ont créé. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Dana, j'ai trouvé Isaac. Il est là, avec moi. C'est bien. Bien joué. Sors-le de là, mental cul. Bon, bon. Ok. Doudou. Ah, qu'est-ce qui nous est arrivé? Okay, et déjà, où sommes-nous? Où on est? On est. Vous devez être un peu groggy, je sais. Je vais tout vous expliquer, mais il faudra me faire confiance. Écoutez, vous courez un terrible... What? What? C'est quoi ça? C'est quoi? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah, c'est dégueulasse. Ah, mais c'est juste horrible. Eh, cours, je sais pas ce qu'il faut faire, mais cours, je m'en fous. Cours. Allez, vite. Il y a des bestioles partout, cours. Allez, vite. Cours. À gauche. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est où, là? On est où? Ah, au secours. Ah, il y a des bêtes partout, elles veulent me mordre. Aidez-moi. Qu'est-ce qu'elle me veut? Attends, allez, on m'attraque, Oh my god. Oh my god, on est. Où est-ce qu'on est? Ah merde. Ah, j'ai plus de vie en plus.
Faut de la vie, vite. De la vie. De la vie. On est où? Ah, sauvegarde. Sauvegarde. Oui, la sauvegarde, oh, c'est cool, ça c'est bien. Allez, sauvegarde 1. Accepté. Ah, ça c'est parfait, là. Dès le début. Alors, faut aller où? Ouvrir. Là, j'ai peur, là, j'ai peur de me faire encore attaquer par des... Oh merde. Aidez-moi. Là, je suis là. Ouh. Non, 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 me tirez pas, me tirez pas. Mais oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ça. Dès que je trouve quelqu'un, ils sont obligés de mourir. Ah, oh, j'aurais pas aimé être à leur place. Oh putain! Oh merde. Restons calmes. Ici le directeur Feynman à tout le personnel. Désactivez les sujets clés et occupez-vous de l'installation. Oh my fucking god. Désolé pour la vulgarité, mais là, ça en vaut la peine, hein, pour ce que je vois, là. Ouh. Tant d'émotions, d'un seul coup. Je ne peux pas supporter ça. J'ai l'impression que je lag un peu, que je rame un peu. Vous savez quoi? On se retrouve tout de suite, je vais changer la qualité de l'image. Donc, bah, tout de suite, hein. Allez. Voilà, c'est bon, nous retrouvons... Nous retrouvons de nouveau pour la petite suite là sur Dead Space. Donc vous voyez que, c'est beaucoup plus fluide. En fait, j'ai mis en 720p au lieu de 1080. Faut que j'aille là, faut que j'aille là, peut-être là, ouais. Alors. Bon, demain. Et si vous me disiez maintenant ce que vous avez vu? Allez, Strauss. Je veux vous venir en aide. Qu'est-ce qui va se passer là? Il va encore y avoir un monstre qui va l'attaquer. Très sombre, oh. Avec du rouge qui brille. J'ai pas envie de voir là. Des symboles qui me parlaient. Alors, on va... Ouverte, fermée. Okay. Que alors là, je pense qu'on est dans des endroits, là, un truc informatique pour régler des systèmes, un truc bizarre. Là. C'est pas de mon niveau ça. Ah, bonjour! Bonjour monsieur. Ah! Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Non, non. S'il te plaît, me tue pas. Tu pas. Je me souviens bien de vous. S'il te plaît, me tue pas. A dit que les sujets clés doivent tous être éliminés. Écoutez, abandonnés. Non, non, s'il te plaît, me tue pas. Écoutez-moi. Et à quoi bon? Écoutez-moi. On peut s'en sortir tous les deux. Vite, enlevez-moi cette camisole. Personne ne sort d'ici vivant. Personne. Est-ce qu'on verra? Oh le bâtard, j'ai cru qu'il m'avait killé. Il n'y a aucune issue à ce que j'ai fait. On se calme, d'accord? Ressaisissez-vous. Faut pas que tu... Faut pas que tu... Tu paniques, panique pas, panique pas, panique pas. Bon, il est rouge. Panique pas. Bien rouge. J'ai un kit de soins et une torche dans ce casier. Vous avez qu'à les prendre. Allez, calme, calme. Allez-y. Voilà, c'est bien. Prenez. Alors, bah... J'en ai plus besoin, maintenant. Ah. C'est bien, là. Isaac, on va tous mourir. Mais non, tu vas... Non, non, non. Non, fais pas ça, fais pas ça. Bonjour. Isaac Clarke, c'est bien vous? Qui êtes-vous? Je m'appelle Dana. Je suis là pour vous sauver. Hein? Que se passe-t-il? Près d'une forme unique de démence, Isaac. Vous l'avez contracté sur Régis 7. Comment vous savez? Qui vous dit tout ça? La maladie va vous tuer. Si vous pouvez venir, je peux vous soigner et vous protéger. Pourquoi tu peux rien faire pour moi. Ce n'est pas moi qui vous tire dessus. Merde. Suivez la voie que j'indique. J'ai rien compris à ce qu'elle a dit, surtout que j'ai pas écouté. Alors, où ça me... Ça dans un endroit sombre. Appuyez sur B. Ok, le traceur c'est B. D'accord.
Oh putain. Quel bâtard. Mais je vous jure, c'est pire qu'un jeu d'horreur, ça.